descend. Alléluia. Et envahit ce lieu. Que ta voix que le ciel s'ouvre, en Seigneur, ce matin. C'est la prière d'un homme. Que vienne ta pluie, Seigneur. Nous voulons. Dis-le encore. Que ta gloire descende. Et envahisse. Que ta gloire résonne. Sa gloire descende et envahit ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que le ciel s'ouvre. Yahweh, oh Jésus. Nous voulons. Fais-le encore comme une prière. Ce matin, je chante ta gloire. Oui, ta gloire. Oui, ta gloire. Alléluia. Oui, que le ciel s'ouvre. Et que vienne. Que ta gloire descende et envahisse. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne. Pour la liberté. Pour la liberté. Que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Que vienne. Et que vienne de ta pluie. Oh Jésus. Nous voulons ton règne. Nous voulons. Que ta gloire descende. Ce matin que s'envahit ce lieu, Seigneur. Et que ta gloire, Seigneur. Demandons à ce que ta gloire envahisse ces lieux, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, Seigneur Jésus. Débordons-nous encore, Seigneur. Déborde encore ce matin, Seigneur Jésus. Déborde encore nous, Seigneur. Que ta gloire envahisse ces lieux. Que ta gloire envahisse ces lieux, Seigneur. Et c'est la prière d'un homme, Seigneur. Remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que le ciel s'ouvre et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons t'envoyer. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu.
que ta voix résonne pour la liberté, que le ciel s'ouvre et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton rêve. Fais-le avec moi. Chantons que ta gloire descend. Et envahis ce lieu. Et envahis ce lieu. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne. Pour la liberté, Seigneur. Pour la liberté. Que le ciel s'ouvre. Et que vienne ta paix. Oh, nous voulons ton rêve. Est-ce que tu peux monter avec moi? Oh, que ta gloire descende. Et on baisse. Tu peux te tenir debout et acclamer pour le Seigneur. Acclamer pour le Dieu. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer pour le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux rendre l'honneur à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour le Seigneur? C'est lui qui nous a fortifiés ce matin. C'est lui qui nous a encore donné cette force-là. Est-ce que tu peux pousser ce cri de joie pour lui? Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être célébré. J'attends que tu puisses pousser le cri de joie pour le Seigneur. J'attends que tu puisses élever le nom de Jésus ce matin. Je vais faire ces chants ensemble avec vous. On va célébrer le Seigneur ensemble avec la chorale. J'aimerais que tu t'élèves et on va danser pour le Seigneur, pour lui rendre la gloire. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Il mérite la gloire. Qui a le dernier mot? Tu auras le dernier mot. Qui a le dernier mot? Tu auras le dernier mot. Qui a le dernier mot? Tu auras le dernier mot. Dis-le encore. Qui a le dernier mot? Réponds-le encore. Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Dis-le encore. Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Pour une dernière fois. Qui a le dernier mot? Jéhovah. On y va. Jéhovah change de circonstance. Jéhovah change de circonstance. Il ouvre le chemin. Jéhovah a le dernier mot. Dis-le encore. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Fais-le encore. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Oh, boyato yembela Yahweh. Boyato yembela takuma. Alléluia. Jésus.
sinyo mbo nanganyoso Yesu azali mokonzi abakonzi lelo na sengi masia matela Plus Jésus t'appelle le man Plus Jésus t'appelle le man Plus Jésus pousse le cri de joie pour le Seigneur ce matin Oh boy I told you me like Yahweh Yesu asili sinyongo nanganyoso Yesu azali mokonzi ya bakonzi Lelo na sengi asia ya bon Obu ya tuye mela yawe Obu ya tuye mela yawe Yesu Yesu asili sinyongo nanganyoso Yesu azali mokonzi ya bakonzi Lelo na sengi masia matela Oh aleluya kembo na yawe Aleluya kembo na yawe Oh aleluya kembo na yawe Aleluya kembo na yawe Oh aleluya kembo na tataye Aleluya kembo na yawe Est-ce que tu peux au moins bouger pour le Seigneur ce matin Et tu la es mon lolo, mon lolo, mon lolo. Oh alléluia, kembo na tataye. Alléluia, kembo na Yahweh. Oh alléluia, moninga malamwe. Alléluia, kembo na Yahweh. Alléluia, kembo na Yahweh. Alléluia, kembo na Yahweh. Oh alléluia. Kembo na Yahweh Alléluia Kembo na Yahweh Oh Alléluia Kembo na Yahweh Alléluia Kembo na Yahweh Oh Alléluia Kembo na Yahweh Alléluia Kembo na Yahweh Ndeko simba Yesu makasi enazali nzela ekomema banzimi na likolo Alléluia Ye nazali tela Ekomema Oh bilenge to simba Yesu makasi Ye nazali tela Ekomema eklesia na likolo Alleluia Yesu makasi Ye nazali tela Ekomema madimi na likolo Bilenge to simba Yesu makasi Ye nazali tela Ekomema eklesia na likolo Alleluia Yesu makasi ye nazali tela Ekomema madimi na likolo Oh ba mama to simba Yesu makasi ye nazali tela Ekomema eklesia na likolo Alleluia Yesu makasi ye nazali tela Ekomema madimi na likolo Oh papa bato sima Yesu makasi ye nazali tela ekomema eklesia na likolo Alleluia Yesu makasi ye nazali tela ekomema badimi na likolo Oh tata nzambe yo mosunge ya Oh tata nzambe yo mosunge ya 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 Oh na lola toko kende toko kota 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 Oh na lola toko kene toko na lola toko ma
Kosalela nzambe ese ese mo moninga. Kosalela nzambe ese ese mo moninga. Oh koyembela nzambe ese ese mo moninga. Kosalela nzambe ese ese mo moninga. Oh kosalela nzambe ese ese mo moninga. Kosalela nzambe ese ese mo moninga. Oh koyembela nzambe ese ese mo moninga. Kosale la nzambe sa ese momoninga. Kosale la nzambe sa ese momoninga. Oh kosale la nzambe sa ese momoninga. Kosale la nzambe sa ese momoninga. Ah kobine la Yesu sa ese momoninga. Kosale la nzambe sa ese momoninga. Ah, koyembe la nzambe sa ese momoninga. Eh, tala ndenge tokoma. Yelelele, tala ndenge nobine la Yesu. Yelelele, oh tala ndenge nakoma. Yelelele, tala ndenge nobine. Ah, oh tala ndenge toko. Yelelele. Salandenga no bi, lelele. Salandenga no koma, lelele. Salandenga no bi, lelele. Salandenga to koma, lelele. Salandenga no bi. Oh ma siya kuma maya, lelele kuma maya. Est-ce que tu peux bouger pour le Seigneur ce matin? Bouge un peu pour Jésus. Bouge un peu pour Jésus. Bouge un peu pour Jésus. C'est le cri de joie pour le Seigneur. Ah. Il mérite le cri de joie ce matin. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour le Seigneur? Yelelelele. Oh, tala nenge to koma. Yelelele. Tala nenge no bina. Yelelele. Tala nenge no kumisa Yesu. Yelelele. Tala nenge no bina. Yelelele. Salandenge no bine, yele. Salandenge no bine, yele. Salandenge no kuma, yele. Salandenge no bine. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclamer fortement pour le Dieu. Il mérite d'être adoré ce matin. Il mérite d'être célébré. Il mérite d'être adoré ce matin, Seigneur. Alléluia. Seigneur. Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, tendre à tes yeux. Ne me prive pas ta gloire ce matin, Seigneur. Si je peux trouver grâce à tes yeux ce matin, Seigneur. Ne me prive pas ta gloire, Seigneur. Localise-moi ce matin, Seigneur. Localise un homme qui s'approche devant de toi, Seigneur. Localise un homme qui s'approche au devant de toi. Oh. Localise un homme qui s'approche au devant de toi, Seigneur. Localise un homme qui s'approche de toi, Seigneur Jésus. Localise un homme qui s'approche. Appelle-moi par mon nom, Seigneur Jésus. Oh.
Ensemble, on y va ensemble. N'ayons la présence, n'ayons. La pousse à nuit, les bons sons et la présence, n'ayons. Fais-le encore. En harmonie, je chante. N'ayant la présence, n'ayant. Fais-le encore. N'adresse yo où l'impossible devient possible. Kayawana Yelisus. Alizi Bao Yon Amesana. Kayawana Yelisus. On y va. Yeah.
Je sais que tu es là. Je sais que tu es présent. Je sais que tu es en ces lieux. Je sais que tu remplis ce lieu de toi et de toi seul. Raison pour laquelle je me tiens au devant de toi et je m'attends à toi. Dieu des surprises agréables. Dieu des choses étonnantes. Dieu des choses extraordinaires. Toi et moi, nous avons une histoire. Toi qui commences et qui achèves. Toi qui ouvres autant de portes inimaginables. Mon cœur rempli de joie, mon cœur rempli d'actions de grâce.
car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Chaque fois qu'un homme, chaque fois qu'une femme se présente devant de toi, il y a toujours des choses qui se passent. Il y a toujours des miracles, il y a toujours des prodiges, il y a toujours des signes. Car tu dis dans ta parole que ceux qui tournent le regard vers toi rayonnent de joie. Ceux qui viennent à toi en pleurant rentrent avec joie, rentrent avec des larmes essuyées, parce que tu en es capable. Nous sommes venus t'adorer, toi le maître des temps et de circonstances. Nous sommes venus t'exalter, toi qui n'as jamais raté un rendez-vous. Nous sommes venus célébrer ton saint nom, Jésus, Jésus. Aucun autre nom ne peut s'égaler à toi, Jésus. Ton nom est transgénérationnel, Jésus, 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 Jésus. Jésus, c'est en ton nom que nous sommes réunis en ces lieux. C'est en ton nom et pour ton nom que nous sommes rassemblés en ces lieux. Jésus, Jésus, qu'il est beau de contempler ta gloire, qu'il est beau de contempler tes bienfaits, qu'il est beau de contempler tes bontés, qu'il est beau de contempler tes actions, qu'il est beau de contempler des choses que tu fais, qu'il est beau, Seigneur. Alléluia, alléluia. Qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Qui peut se mesurer à toi? Quelle est cette action qui te dépasse? Quelle est cette action qui t'amène à reporter? Tu ne sais reporter des cas. Tu ne reportes pas des cas. Tu ne reportes pas de cas. Tu ne reportes pas de cas. Il n'y a pas de cas qui te dépasse, qui te dépasse, Seigneur. Il n'y a aucun cas qui te dépasse. Il n'y a aucune situation qui soit au-delà de toi. Voilà pourquoi quand nous venons dans ta présence avec un cœur qui se soumet et nous croyons et confessons que tous les noms sont appelés à se soumettre. Tous les noms sont appelés à se prosterner. Quand il s'agit du nom de Jésus, tout le nom se prosterne. Quand il s'agit de ton nom, tout le nom se prosterne. Tout le nom se prosterne. Parce qu'il s'agit de lui. Tu es en train de dire ce qui est au fond de ton cœur. Tu es en train de parler pendant ce temps. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, Jésus, 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 Jésus. Combien ont eu à amener des problèmes qu'ils appelaient impossibles, que tu as rendus possibles? Combien sont venus avec des maladies appelées, classifiées, incurables, mais tu as guéri? Combien pensaient arriver au bout, mais cependant, ce n'était que le début? Combien, n'est-ce pas, ont été étonnés? Mon étonnant Dieu, 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 que tu es étonnant, mon étonnant Dieu, que tu es rempli de surprises agréables, mon étonnant Dieu, mon étonnant Dieu. Tu ne manques pas de mots pour satisfaire. Tu ne manques pas de mots pour réjouir. Tu ne manques pas de mots pour guérir. Tu ne manques pas de mots, Seigneur, pour faire du bien. Tu ne manques pas de mots pour rétablir, pour restaurer. Mon étonnant Dieu. Mon étonnant Dieu. Mon étonnant Dieu. Alléluia. Mon étonnant Dieu. Tu ne manques pas de mots pour faire du bien à quelqu'un. Tu ne manques pas de mots pour faire du bien à quelqu'une. Tu ne manques pas de mots pour passer et changer des cas. Je t'appelle étonnant Dieu. 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 Je regarde à toi étonnant Dieu. Je m'attends à toi
et ton nom, Dieu. Tu fais au-delà de mon entendement. Tu fais au-delà de mes limites. Tu fais au-delà de mes demandes. Tu fais au-delà de ma personne. Tu fais au-delà de mes relations. Tu fais au-delà, au-delà de mes mesures. Tu fais au-delà de ma foi. Tu fais au-delà de ma connaissance. Tu fais au-delà de mes relations. Je t'adore, je t'exalte. Je te bénis, ô mon Dieu. Merci d'être ce que tu es. Merci de continuer à faire ce que tu fais. Qui peut s'égaler? Mbabwana. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Mbabwana. Yo, yo, yo. Chantez seulement comme ça. Yo, 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 Ibabana yo 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 Ibabana yo 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 Atata Atata Amajese Lifana Bilombelo yani Bilombelo yani Le Seigneur. Alléluia. Tu fais bien de l'acclamer ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Salut ton voisin de gauche et de droite. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse énormément. On peut acclamer le Seigneur pour une très très bonne louange faite ce matin. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Mettez-moi ensemble. Acclame le Seigneur.
Alléluia. Amen. Salut ton voisin de gauche et de droite. De derrière. Et celui que tu ne connais pas de nom. Ah, je te prie de bouger. Trouve quelqu'un que tu ne connais pas de nom. Peut-être que tu ne connais que de visage. Trouve quelqu'un que tu ne connais pas de nom. C'est dans la maison des dieux. Trouve quelqu'un. Trouve quelqu'un que tu ne connais pas de nom. Et si tu es là aussi, je ne t'ai jamais salué, tu peux aussi venir et je vais te saluer. Tu es là dans l'église, on ne s'est jamais croisé. Tu peux aussi passer, je vais te saluer. Je ne t'ai jamais salué, on ne s'est jamais salué. Viens. Ah. Ah, donc j'ai déjà salué tout le monde. Ah, viens, viens, oui, c'est vrai, viens. Je ne t'ai jamais salué. Sois béni. Yes. Ah oui, c'est entre père et fils, on peut acclamer le Seigneur. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est quoi ton nom? Alexis. Ok. Alexis. Les six là, ça va, on va sentir ça. Alexis. Gloire à Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un s'attend à quelque chose? Ah oui, moi je m'attends à quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 18, verset 14. Les lecteurs de la Bible connaissent de quoi il s'agit. Ah, sois béni. Alléluia. Genèse 18, verset 14. Ça, c'est un verset à mémoriser. Ça, c'est un verset à connaître par cœur. Ça, c'est un verset à mettre en pratique. Ça, c'est un verset qui te lie aux choses que tu dois attendre. Amen. Et j'aurai besoin de deux lecteurs, une sœur et un frère, pour ce même verset. Deux lecteurs. Une sœur et un frère. Deux lecteurs. Oui, Glody. Une sœur. Ok, maman. Un autre micro. Donnez à maman. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Yes. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 18, verset 14, on commence avec maman. Le micro, Mourinho. Genèse 18, le verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Encore? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Et nous pourrons reprendre nos places. J'ai demandé qu'il y ait deux lecteurs. J'ai demandé qu'on lise au moins quatre fois pour que cela reste encore. Pour que cela puisse s'enraciner. Parce que ce qu'on vient de lire est au-delà plus puissant que les commentaires que je veux faire. Je veux voir la main de quelqu'un. Les commentaires que je veux faire ne sont pas plus puissants que la lecture qu'on vient de faire. Parce qu'on vient de lire la parole des dieux. Et moi, je veux interpréter la parole des dieux. Je veux expliquer ce que j'ai compris. Dans ma version, il est écrit, y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Pendant que je prêche, j'aimerais que tu voies ta vie.
Et c'est une question que lui-même est en train de poser. Y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Y a-t-il donc quelque chose dans ma vie que le Seigneur ne peut-il pas réaliser? Y a-t-il dans ma vie, y a-t-il dans ma famille, y a-t-il dans mon cœur, y a-t-il dans mes projets, y a-t-il quoi que ce soit qui peut rendre l'Éternel incapable? Je crois que la réponse est non, parce que nous croyons qu'il peut tout. Amen. Alors, le mot ici, y a-t-il rien? Le mot rien de l'hébreu en français vient du mot hébreu dabar, rien. Y a-t-il rien? Ce mot vient du mot hébreu dabar. Dabar peut être traduit en français par discours, par parole, par mot, par langage, par action, par affaire, ainsi de suite. C'est-à-dire, ici, on peut remplacer le mot rien par y a-t-il une action? Parce que on ne peut pas séparer la dimension de l'action dans la parole. Quand Dieu parle, sa parole agit toujours. On ne peut pas séparer la parole de Dieu des actions de Dieu. Dieu, pour agir, il parle. Et ce matin, je confesse et je déclare que tu entendras des paroles qui vont imposer dans ta vie des actions de Dieu. Dieu, pour agir, il parle. On ne peut pas séparer la parole des actions de Dieu. La parole de Dieu est toujours liée à ses actions. Quand vous recevez une parole de Dieu, sachez que vous êtes qualifié à expérimenter les actions de Dieu. Oh, un amen a fui, un amen est parti, je ne sais où. Quand je reçois une parole de Dieu, je suis qualifié aux actions de Dieu. Dieu se précède toujours par la parole. Et quand Dieu vous donne une parole, sachez qu'il y aura ses actions. Quand Dieu vous envoie un prophète, quand Dieu vous envoie sa parole, sachez qu'il y aura des actions. Voilà pourquoi la question est posée en disant, y a-t-il rien? Y a-t-il une parole? Y a-t-il une action que l'Éternel ne peut-il pas réaliser? En d'autres termes, est-ce que Dieu peut parler pour ne pas réaliser? Est-ce que Dieu peut parler pour rien? Comme Dieu ne peut pas parler pour rien, nous attendons au miracle. Nous attendons au prodige. Nous attendons au signe. Nous croyons que le cas appelé impossible devient possible parce que Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Puisque Dieu a déjà parlé, tes yeux vont voir l'étonnant Dieu. Puisque Dieu a déjà parlé, tes oreilles vont entendre l'étonnant Dieu. Puisque Dieu a déjà parlé, tes pieds vont posséder des actions que l'étonnant Dieu avait déjà planifiées, programmées, préparées avant la fondation du monde. Si tu es d'accord avec moi, tu libères un amen. Tu libères un amen. Les paroles des sorciers peuvent échouer. Les paroles des magiciens peuvent échouer. Les paroles des hommes peuvent échouer. Dieu n'est pas un homme pour échouer. Quand Dieu parle, il est lié à sa parole. Quand Dieu libère sa parole va,
va être accompagnée des actions. Elle est comparable à la pluie lorsqu'elle tombe sur la terre. Elle ne peut pas s'arrêter dans les airs. Elle doit tomber sur la terre. Quand la pluie tombe, elle doit tomber quelque part. Quand Dieu t'envoie sa parole, elle doit te mouiller. Elle doit te mouiller. Elle doit te laisser des traces. Je prie et je célèbre les actions de Dieu dans ta vie. Ta vie n'est pas là pour être témoin des sorciers. Ta vie est là pour être témoin de ce dont Dieu est capable de faire. De la boue, il te prendra et il va t'exposer parmi les grands. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Y a-t-il quoi que ce soit que Dieu ne peut faire? Et quelqu'un dit non. Quelqu'un bouge sa tête. Est-ce que Dieu peut reporter une situation? Non. Est-ce que Dieu peut manquer des solutions? Non. Est-ce que Dieu te dira viens demain? Non. Dieu ne dit pas viens demain. Mais Dieu impose le kairos. Dieu impose le temps convenable. Dieu impose le temps des réjouissances. Dieu impose le temps des miracles, le temps des prodiges. Si tu es là, tu libères un amen puissant. Si tu es là, tu libères un amen puissant. Le rien ici qu'on trouve dans Genèse 18, verset 14, c'est le même rien qu'on trouve dans Luc 1, 37. C'est le même rien. Dans Luc 1, 37, on dit rien, car rien n'est impossible à Dieu. Car aucune action n'est impossible à Dieu. Car aucune parole n'est impossible à Dieu. Même quand on t'a dit incurable, incurable est incurable face aux hommes. Incurable n'est pas incurable devant Dieu. Impossible est impossible face aux hommes. Impossible n'est pas impossible devant Dieu. Ce dont les hommes ne peuvent faire, Dieu le fait autant. Dieu le multiplie autant. Quand je dis étonnant Dieu, je m'attends à voir Dieu m'amener dans des dimensions où aucun homme ne pouvait m'amener. Que Dieu te donne au-delà de tes deux mains. Que Dieu te donne au-delà de tes deux pieds. Que Dieu te donne au-delà de tes deux yeux. Que Dieu te donne au-delà de ton cerveau. Que Dieu te donne au-delà de tes paroles. Que Dieu te donne. Ne regarde pas à ton environnement. Regarde à celui qui a parlé sur toi. Can I see your hand? Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne de sortir de l'ignorance. Dans Genèse chapitre 12, verset 7, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham construisit un autel au Seigneur à l'endroit où il lui était apparu. Saraï était stérile, mais Dieu dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta descendance. Dieu ne parle pas par rapport à tes limites. Dieu parle par rapport à lui-même. Oh mon Dieu. Talanganan, regarde-moi un peu. Dieu ne parle pas par rapport à ce que tu sais. Dieu parle par rapport à ce que tu ne sais pas. Dieu sait qu'Abraham est marié à Sarah. Dieu ne sait pas que Sarah est stérile. Ça, c'est Abraham qui sait que Sarah est stérile. Dieu ne sait pas que tu es pauvre. Dieu ne sait pas que tu es lié. Dieu ne sait pas que tu es limité. Et quand Dieu se mettra à parler te concernant, il va dire des choses. Toi, tu dois seulement dire amen. Oh. Quelqu'un qui n'a jamais acheté un vélo, mais Dieu peut lui dire, tu auras une entreprise des airs quelque chose. Des avions. Ça, c'est ça, Dieu. Tu n'as jamais acheté un vélo, mais Dieu te parle d'une entreprise des avions. Alors, au lieu de dire comment cela va arriver, dis seulement, avec Dieu, c'est possible. Je peux voir la main. Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham qu'il va donner à sa descendance le pays. Abraham n'a pas de descendance. Mais Dieu promet
de donner à Abraham, de donner à sa descendance le pays. Dieu est celui qui a la capacité de stabiliser ce que tu n'as pas encore reçu de lui. Oh mon Dieu. Dieu a la capacité de stabiliser la chose qu'il ne t'a pas encore donnée. C'est-à-dire, avant que Dieu ne te la donne, il la stabilise déjà. Avant même qu'Isaac ne naisse, Dieu avait déjà promis le pays. Si Dieu t'avait prédestiné à devenir ministre de ce pays, c'est-à-dire Dieu va déjà stabiliser ton bureau avant que tu ne deviennes ministre. Je vais voir la main. Dieu promet le pays. Mais on ne donne pas le pays à une personne. On donne le pays à une nation. Mais Abraham n'a pas d'enfant. Mais Dieu parle le pays. J'aimerais exagérer en disant à quelqu'un, ce dont tu penses que Dieu ne peut faire, Dieu peut le multiplier autant de fois, autant de fois. Je dis autant de fois, je dis autant de fois. Dieu peut répéter ce que tu as toujours pensé qu'il ne peut pas faire. Dieu peut répéter ça, il peut le faire à midi, il peut le faire à 15h, il peut le faire à 17h, à 18h. Il peut exagérer et je prie ce matin que Dieu exagère dans tes attentes. Que Dieu exagère dans tes attentes. Reçois cette dimension au nom de Jésus. J'ai dit reçois-la. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Reçois-le au nom de Jésus. Il peut le faire. Quand je regarde notre affiche, je ne peux que dire merci à Dieu. Pourquoi? C'était des attentes. J'attendais un jour prêcher avec des blancs, avec des personnes de plusieurs nationalités. Et aujourd'hui, à la Compassion Kitambo, il y a ces défilés. Oh, mais ça, c'est un miracle. Tu peux acclamer le Seigneur. Ce sont des attentes. Ce sont des attentes. Ce sont des attentes. Que mon Dieu te donne au-delà de tes limites. Que mon Dieu te donne au-delà de tes limites. Je reçois et tu reçois et nous recevons au nom de Jésus. Il nous parle du pays pendant qu'on n'a pas encore de fils. C'est ça Dieu. Il dit, je donnerai à ta descendance. Des fois quand Dieu parle, tu as l'impression de dire, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Quand Dieu parle, pourquoi tu me fais ça? Donne-moi d'abord le vélo. Pourquoi tu me parles des avions? Je n'ai pas de vélo. Pourquoi tu me parles des cités pendant que je n'ai pas encore acheté une maison? C'est ça Dieu. Il dit à Abraham, je donnerai à ta descendance. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à ton cerveau. C'est à toi de s'adapter à sa parole. Dieu ne va pas s'adapter à ta façon de réfléchir. C'est à toi de changer ta mentalité. C'est à toi d'accepter un métanoïa en toi. Un changement de pensée. Un changement de pensée. Un changement de déclaration. Il faut arrêter de dire, dans ma famille, personne n'a fait ça. Alors moi aussi, non. Il faut arrêter de dire, jamais au Congo telle chose n'a été faite. Il faut arrêter. Mais il faut laisser Dieu vous donner ses rêves. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons très loin. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Quand on parle de la stérile, stérilité veut dire qu'il ne peut se reproduire. Mais Dieu dit à Abraham, ta descendance, en d'autres termes, ta reproduction. Mais moi, je sais que Sarah est stérile. Moi, Dieu, je ne sais pas que Sarah est stérile. Moi, Dieu, je sais que Sarah va se reproduire. Dieu ne voit pas tes limites. 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 Dieu ne voit pas
des limites. Avec Dieu, nous irons au-delà de limites. Il nous introduit dans une dimension illimitée. Reçois la dimension illimitée de Dieu. Reçois la dimension illimitée de Dieu. Sur la terre, il y a ce qu'on appelle dans des restaurants, mange comme tu veux, mais n'emporte rien. Mais chez Dieu, mange comme tu veux et emporte. Mange comme tu veux et emporte. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Ce qui te limite parce que tu es un homme. Et quand tu viens maintenant auprès de Dieu, Dieu va commencer par briser tes limites. Dieu aime nos limites pour manifester sa dimension illimitée. Dieu aime nos incapacités pour manifester sa dimension des capacités illimitées. Je crois et je confesse que je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore entendu, je ne suis pas encore entré dans des bureaux, je n'ai pas encore foulé mes plantes des pieds dans certains endroits du pays ou de la ville ou du monde. Que cela m'arrive, que cela t'arrive, que le Dieu qui étonne t'étonne encore, que le Dieu qui surprend te surprenne encore. Enlève la limitation, dis Dieu je suis là, je m'attends à plus. Amen. Alléluia. Je m'attends à plus. Quelqu'un dit avec moi, je m'attends à plus. Progéniture. La progéniture est un ensemble des individus issus d'une même reproduction. Pour parler d'une progéniture, dans la progéniture, il n'y a pas d'adoption. Dans la progéniture, il y a la répétition de la même chose. Je peux voir la main. Je peux voir la main. Alléluia. Ce que tu penses être fini, Dieu va multiplier ça autrement. Il va multiplier. Je parle de Dieu. Je ne parle pas de l'homme. Je parle de Dieu. Je ne parle pas de l'homme. Ta vie qui semble être fatiguée devant Dieu, elle ne fait que commencer. Elle n'est pas fatiguée. Dieu dit ta progéniture, je donnerai à ta progéniture le pays. Dieu te précède dans ton futur et il te stabilise. Il te précède dans ton futur et il te stabilise. Il te précède dans ton futur. Et te stabilise. Dieu ne peut pas te donner un mariage qui ne peut lui-même sécuriser. Dieu ne peut pas te donner un poste qui ne peut lui-même sécuriser. Dieu ne peut pas te créer, t'envoyer sur la terre sans un plan, sans une destinée. Tu es né avec une destinée. Tu es né avec une destinée. Tu es né avec une destinée. Tu n'es pas un bâtard. Tu n'es pas un bâtard. Tu n'es pas un bâtard. Tu n'es pas une naissance qu'on n'avait pas voulu. Tu n'es pas un enfant qui est un enfant de la rue. Tu appartiens au Créateur. Tu ressembles au Créateur. Tu as beaucoup de valeur. Aucun ange n'a ta dimension. Aucun ange ne peut s'égaler à toi. Lorsqu'on te regarde, tu ressembles au Créateur de toutes choses. Tu as droit de marcher la tête haute et de te frapper la main sur la poitrine et dire, même si mon oncle ne vient pas, même si ma tante ne vient pas, même si mon père n'a rien, la terre appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. À Tababwa qui en a France, au Kobika. À Tababwa qui on a Ngandanjika, au Kobika. À Tababwa qui on, je ne sais, na Idiofa, au Kobika. Car Dieu est le Dieu de toute la terre. Et Dieu dit à Abraham, je donnerai à ta progéniture ce pays. Alléluia. Arrêtez de dire, mon papa n'a pas, ma maman n'a pas. Si ton père, ta mère n'a pas, ton oncle n'a pas, toi-même tu n'as pas, ton vrai père a tout. Ton vrai père a tout. Ton vrai père a tout. Il a tout. Je ne peux pas oublier cette expérience. Quand nous étions à l'internat, j'ai fait mes études à l'école Massamba. Et quand nous étions à l'internat pour préparer les exétats, il y avait une heure qui me faisait mal. C'était 18h, 19h. Les parents des amis venaient égarer leur voiture. Et le surveillant appelait. Appelait. Jacques, papa, yo vanirab. Patrick, votre chauffeur est dehors. Yo vanirab. Jusqu'à ce que, un jour, j'ai reçu dans une vision
Dieu m'a révélé mon père qui descendait dans une décapotable. Or, comme mes enfants aiment me rire, mon père, de son vivant, n'avait acheté que deux choses importantes, le vélo et la maison. Il n'avait pas de voiture. Il roulait à vélo. Et c'était le vélo qu'on appelait Merci Moulendambo pour les amis de la Gécamine. C'est la compagnie Gécamine qui donnait à ses ouvriers des vélos, mais aussi des maisons. Et je dis, voilà. Mais je vois dans une vision mon père qui descend d'une décapotable et qui sort le porte-monnaie et qui me dit, chaque fois que tu auras un besoin financier, tout est dedans. Celui que j'ai vu, ce n'est pas mon père, c'est mon vrai père. Oh mon Dieu. Je dis, ce n'est pas mon père biologique. Mais Dieu s'est révélé à moi en prenant l'image de mon père. Il était tout souriant. Pendant qu'il est, il est mort depuis 92, bien, il était tout souriant et il rayonnait. Et il me donne le porte-monnaie. Depuis ce jour-là, j'ai su qu'il est le père des orphelins, le défenseur de veuves. Il est toujours là. Tu peux voir la main de quelqu'un. Dieu est ton père. Et quand Dieu te regarde, il parle de ton futur. Dieu ne parle pas de ton passé. Dieu, il ne parle pas de ton passé. Quand Dieu te voit, il te parle de ton futur. Arrête de pleurer dans mon passé, dans mon passé. Je m'en fous de mon passé. Jésus a eu un passé sur la terre dans la crèche, mais dans cette crèche-là, il y avait le futur de Jésus. Je prie et je déclare que le futur qui est dans ton passé se révèle à toi. Que le futur glorieux qui est dans ton passé se révèle à tes yeux. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te parle d'une progéniture, il te parle d'une progéniture. Quand Dieu parle, il parle. Que Dieu te donne ce qu'il t'a montré au nom de Jésus. Que Dieu te donne ce qu'il t'a montré au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Qu'il te donne ce qu'il t'a montré. C'est ça Dieu. Non, dans Genèse 17, qu'est-ce qui se passe? Abraham se jeta le visage contre terre et il rit. Car il se disait, comment pourrais-je avoir un enfant? Moi qui ai 100 ans. Et comment Sarah, qui en a 90, pourrait-elle devenir mère? Ça, c'est ça Dieu. Dieu vient dire à Abraham que tu auras un fils. Et Abraham dit non. Je sais que j'ai Eliezer. C'est qui Eliezer? C'est le serviteur de ma maison. C'est à lui que je vais laisser l'héritage. Dieu dit non. Dis au voisin, il ne faut pas aider Dieu. Dis-le au voisin, dis-le lui. Dis au voisin, Dieu n'a pas dit à peu près. Dis au voisin, Dieu n'est pas un philosophe. Dieu est dans les sciences exactes. Oh mon Dieu. Non. Je dis Dieu est dans les sciences et... J'ai pas entendu. Dieu est dans les sciences exactes. Dieu ne spécule pas. Dieu parle. Dieu ne philosophe pas, Dieu parle. Quand Dieu parle, il ne donne pas une autre option. Il ne donne que l'option de sa parole. Quand Dieu parle, il n'y a pas d'autre option. Il n'y a que ce que lui a dit. Et quand Dieu dit ce qu'il a dit va arriver, que je le veuille ou pas, je vais expérimenter ça. Je vais toucher ça. Je vais palper cela. Alléluia! Est-ce que tu es là? Dieu parle d'Isaac.
Mais Abraham parle d'Éliezer. Je vous ai dit au début que là où il y a les œuvres d'étonnant Dieu, la parole est toujours accompagnée des actions. Dieu a parlé Isaac. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, lis avec moi. Genèse 17, 17. Abraham se jeta le visage contre terre et il rit. Car il se disait, comment pourrais-je avoir un enfant, moi qui ai 100 ans? Et comment Sarah, qui en a 90, pourrait-elle devenir mère? Ce qui est important ici, c'est que le mot Isaac de l'hébreu vient du mot Itzak. Itzak. Et Itzak, en hébreu, veut dire il rit en français. Dieu a parlé à Abraham d'Isaac. Et comme on ne peut pas séparer l'action de la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a exprimé ce que Dieu a dit. Est-ce que tu es là? C'est-à-dire, Dieu a dit, tu vas rire. Et Abraham n'a pas attendu la grossesse de Sarah pour commencer à rire. Abraham a ri après la parole de Dieu. Je prie et je déclare, au nom de Jésus, ta joie ne va pas attendre l'accomplissement des promesses. L'accomplissement des promesses va trouver déjà ta joie. Parce que tu sais, quand Dieu parle, même si je ne vois pas aujourd'hui, je verrai demain. Quand Dieu parle, même si je n'ai pas touché aujourd'hui, je toucherai demain. Alors mets-toi à rire. Abraham s'est mis à rire. Le rire d'Abraham n'était pas le rire d'incrédulité. Le rire d'Abraham, séparé de ce manteau des douleurs, du manteau des mendiants, du manteau des pleurs, du manteau de l'imitation, que Dieu te montre des choses qui vont faire que tu ries. Tu n'auras pas besoin de sauver pour rire. La parole de Dieu est capable non seulement de te donner un rire facial, mais de guérir aussi le profond, le fond de ton cœur. Il y a des gens qui rient, ils rient extérieurement, mais du dedans ils pleurent. Mais quand Dieu dit Abraham, Itzak vient du dedans. Le rire d'Abraham n'est pas un rire facial. Le rire d'Abraham était un rire de l'intérieur. Je prie et je déclare que ta joie soit une joie profonde. Une joie profonde. La parole de Dieu en toi va produire des actions qui vont rendre ton visage souriant. Oh mon Dieu, il y a des rides que tu as à cause des problèmes. Mais quand Itzak vient, il va rajeunir ton visage. Il va rajeunir ta vie. Je prie et je déclare que mon Dieu te donne des choses qui vont te rajeunir. Oh mon Dieu, tu ne peux pas ressembler au malheur. Tu dois ressembler au bonheur. Tu ne peux pas ressembler aux pleurs. Tu dois ressembler à la joie quand Dieu parlait à Abraham. Abraham s'est courbé. Il a ri jusqu'à tomber à terre. Que Dieu t'amène dans sa dimension d'intimité. Que tu deviennes comme son ami. Nzamba betolo masolo. Masolo afitur na yo. Nzamba betolo masolo. Wataso bandoki baoye baye baye reta. Wataso bata banganga baye baye reta. Nzamba betolo masolo. Masolo abomo na yo. On te trouve joyeux. Pourquoi tu ris? Itzak est en train de venir. Pourquoi tu ris? Itzak est en train de venir. Pourquoi tu ris? Itzak est en train de venir. Pourquoi tu ris? Itzak est en train de venir. Quand Dieu te parle, il va accompagner sa parole des actions. Il n'existe pas des paroles sans action de Dieu. La parole de Dieu engendre les actions de Dieu. La parole de Dieu engendre. Comme le pasteur Frédéric aime le dire, la parole de Dieu est la génératrice des actions de Dieu. Elle donne naissance aux actions de Dieu. Il ne faut pas dire, « Naoki ka matea, oezaka matea te, oezaba grossesse. »
Oyo ezaka mate ya te, oyo ezaba grossesse. Oyo kika mate ya te, oye na salle ya accouchement. Oko bota miracle, oko bota étonnement, oko bota guérison, oko bota ba réalisation. Moi je suis en train d'acclamer le Seigneur, moi je suis en train de croire en ça. Quand Dieu m'envoie sa parole, Dieu m'envoie sa parole, il va m'amener au-delà de mes limites. Ce n'est pas Abraham avec ses 100 ans qui a donné naissance à Isaac, c'est la parole de Dieu dans Abraham qui a donné naissance à Isaac. Ce n'est pas Sarah avec ses années qui a donné naissance à Isaac. C'est la parole de Dieu dans Sarah qui a donné naissance à Isaac. Ne regarde pas à ce qui t'entoure. Regarde à la parole qui est en toi. Ne regarde pas à ce qui t'entoure. Ne regarde pas aux limitations que tu connais. Regarde aux incapacités illimitées cachées en Dieu. C'est alors que tu vas voir ta vie s'éclore. Tu vas voir ta vie briller. Tu vas voir ta vie dans une autre dimension. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Et dans Genèse 21, versets 6 à 7. Nous restons d'abord dans Genèse 17. Abraham se jeta le visage contre terre. Si hier tu t'es jeté par des mauvaises nouvelles, viens maintenant le temps où tu vas te jeter par les bonnes nouvelles. Oh mon Dieu, je reçois cela au nom de Jésus. Je reçois cela au nom de Jésus. J'ai vu un jour aux cliniques Ngalema, j'ai vu un papa bien habillé par terre en train de pleurer. Pourquoi? Il venait de recevoir une mauvaise nouvelle. Mais dans ta vie, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Abraham ne s'est pas jeté parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle. Abraham s'est jeté par terre parce qu'il y avait une bonne nouvelle. Je prie que tu reçoives une saison des bonnes nouvelles. Oh mon Dieu, ces bonnes nouvelles qui vont t'amener au-delà de ta maîtrise, au-delà de ton contrôle, où tu ne vas pas contrôler ton corps. Tu vas te jeter par terre et tu vas oublier l'environnement. Parce que ce que Dieu a fait dans ta vie est surprenant et extraordinaire. Je m'attends aux choses qui dépassent mon entendement. Je m'attends aux choses extraordinaires. Je m'attends voir Dieu là où je ne l'ai pas encore vu. Je m'attends goûter à Dieu dans une dimension que je ne l'ai jamais goûtée. Je m'attends voir Dieu ouvrir des portes que je n'avais jamais vues. Je m'attends à Dieu qui me tienne à la main et qui m'amène sur des montagnes où je ne pouvais atteindre seul. Je m'attends Dieu me connecter, que mon Dieu te connecte, qui te mette dans des relations que tu ne pouvais avoir de toi-même. Que mon Dieu puisse te connecter. Reçois cette connexion. Abraham a rencontré Dieu et Dieu lui a parler d'Isaac et Abraham s'est mis à rire. Et un autre jour, Dieu vient maintenant dans la maison d'Abraham. Il vient maintenant dans la maison d'Abraham. Hier, l'homme de Dieu Josué nous a dit ceci. Et j'avais beaucoup aimé cette phrase. Yes. Moïse était d'abord libre. Et puis Moïse a été appelé libérateur. Il était d'abord libre et il était le leader de ceux qui devraient sortir parce qu'il avait déjà vu la liberté. Mais Moïse n'est pas entré à Cana et n'a pas amené les enfants d'Israël à Cana parce que c'est lui qui était d'abord à Cana. C'était Josué et non Moïse. En d'autres termes, quand Dieu te donne une expérience avec lui, c'est que Dieu fera de toi une marque déposée. Quand Dieu te donne une expérience avec lui, Abraham avait déjà reçu une expérience, celle d'Isaac. Et quand Abraham rentre avec l'expérience d'Isaac dans sa maison, c'était aussi normal que Sarah puisse être communiquée par ce que Abraham avait reçu. Et Dieu n'a pas demandé à Sarah pourquoi tu as ri. Dieu a demandé à celui qui avait d'abord ri premièrement pourquoi Sarah a ri. Et Dieu n'a pas condamné le rire de Sarah. Mais Dieu a expliqué à Sarah que l'action que tu viens de produire, tu l'as produite parce que tu as entendu, j'ai parlé d'un enfant.
Et Dieu maintenant lui donne la précision. Quand Dieu te donne sa parole, la parole de Dieu a toujours une date. La parole de Dieu s'accomplit dans le temps. La parole de Dieu s'accomplit dans l'espace. La parole de Dieu domine le milieu. Oh mon Dieu, que tous ceux qui sont entrés malades guérissent maintenant. Que tous ceux qui sont entrés chargés soient déchargés maintenant. Sarah n'est pas venue là où Dieu était. Mais Sarah, de là où elle était, elle pouvait recevoir des précisions. Des précisions. Que ton nom Dieu te visite et qu'il te donne des précisions. Que ton nom Dieu te visite, qu'il te donne des précisions. Un de mes fils est venu me dire au bureau, papa, j'entends les gens dire que moi, du haut de la chair, je ne mérite pas. On lui a dit qu'il ne mérite pas d'être devant les gens. Il ne mérite pas. Et on ne comprend pas pourquoi le pasteur lui avait donné le micro devant. Je dis, oui, tu ne mérites pas. C'est vrai. Oh oh, amen. Vous pensez que moi je mérite pas? Oh oh. Le jour où tu penseras que tu mérites, c'est le jour où tu vas tomber. Je dis oui, va leur dire que c'est vrai, je ne mérite pas. Et je n'avais même pas demandé au pasteur de me classer. J'ai été surpris. Je n'avais jamais donné mon numéro de téléphone au pasteur, mais j'ai seulement été surpris par le message du pasteur et par le classement du pasteur. Moi, je ne mérite pas et vous avez raison. Dieu ne travaille pas avec ceux qui méritent. Dieu travaille avec lui-même, avec lui-même, avec lui-même, avec lui-même, avec lui-même, avec lui-même et avec lui-même. Abraham ne mérite pas d'avoir Isaac, oui. Sarah ne méritait pas d'avoir Isaac, oui. Tu ne mérites pas d'être dans ce bureau-là, oui. Tu ne mérites pas de voyager, oui. Tu ne mérites pas cet homme-là, oui. Tu ne mérites pas cette femme-là, oui. Il n'y a rien dans ta vie que tu mérites. N'est ma force, Nabisso. Quand je sais que je ne mérite pas, qui mérite? Alors si tu me combats, tu ne peux que perdre. Parce que tu combats celui qui est déjà mort. Oui, tu ne peux que perdre. Yangona, tu n'as pas à marcher comme ça. On a Théara. Tiens. On a Yimbaka. Tu sais combien on la voit. Mais quand il chante, on n'entend rien. Nama Théa. Dada. Tu sais combien on décaille ba koma. Mais quand il prêche là, on n'entend rien. Un pasteur pensait que lui, vraiment, nous en Europe, quand tu as 50 personnes, c'est comme une église de 5000 membres au Congo, hein? Ayakin, Atik Église Ayakin, il a combien de membres? L'église, ce n'est pas l'histoire d'argent. On a Osoma na Otonga. Non, c'est l'histoire d'être appelé. Et cet appel-là, ce n'est pas seulement pour être pasteur. Pour tout ce que tu dois devenir, c'est une histoire d'être appelé. Quand Dieu t'appelle et tu réponds à cet appel, au coco tababiro au kanate. Est-ce que oui, Zayo? C'est vrai que c'est toi. Dieu n'a pas dit, Sarah, puisque tu as ri. Non. Dieu a dit à Sarah, l'an prochain, je reviendrai chez toi. Vous savez, quand Dieu te donne sa parole, Dieu est lié à cette parole-là. Dieu lui-même va revenir. C'est-à-dire, dans la grossesse de Sarah, il n'y avait rien d'Abraham.
dans la grossesse de Sarah, il y avait tout des dieux. Parce que Dieu avait dit, je reviendrai. Donc Isaac, ce n'est pas la force d'Abraham. Isaac, c'est le Dieu qui est revenu dans Sarah. Je prie et je déclare dans ta vie, au nom de Jésus, que Dieu revienne pour glorifier sa parole dans ta vie. Que Dieu revienne pour glorifier sa parole dans ta vie. Toi, tu as vu les incapacités, mais Dieu s'est vu lui-même. Là où Dieu ne peut rien, là où toi tu ne peux rien, Dieu peut tout. Alors, quand Marie disait, je ne connais pas point d'homme, c'était quoi la réponse? La puissance du Saint-Esprit fera quoi? Te couvrira. Quand Sarah regardait à son âge, c'est quoi la réponse? Je reviendrai. Quand tu ne peux pas, Dieu peut. Quand tu es limité, Dieu peut. Quand c'est impossible, Dieu peut. Quand c'est fini, Dieu peut. Quand, oh, Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut. Et si tu es dans le Dieu peut, tu verras toujours le Dieu peut. Là où il y a la parole de Dieu, il y a toujours la reproduction. Sarah ne pouvait pas se reproduire, mais Isaac s'est reproduit. Pasteur, c'est quoi? Sarah était stérile. Isaac, non. Parce que Isaac préfigure Jésus. Isaac s'est reproduit. Il a eu ses deux enfants. Et de ses deux enfants, nous connaissons l'histoire. Les 12 sont venus. Et des 12, Israël est venu. Et d'Israël, Judas est sorti. Et de Judas, Jésus est sorti. Et de Jésus, toi tu es là. Aujourd'hui en Israël, on ne veut plus parler de Jésus. Mais on parle déjà de Jésus partout. C'est-à-dire même si Bakanye évangile na Israël, Baokangangon a Kongote. C'est déjà fini, il y a déjà reproduction. Alléluia. Quand Dieu revient dans ta vie, Dieu va se reproduire. Ce qui va se reproduire dans ta vie, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton intelligence. C'est la parole de Dieu en toi qui va se reproduire. La parole de Dieu en toi va se reproduire. Et tu vas chanter, tu vas célébrer, tu vas te réjouir. Parce que tu verras la reproduction de Dieu. Et là où il y a les actions de Dieu, c'est là que je vais clôturer. Genèse 20, 21, 6 à 7. Genèse 21, 6 à 7. Sarah déclara, Dieu m'a fait rire de joie. As-tu lu ça? Est-ce que tu as lu? Ouvre un peu ta Bible. Ou bien regarde à la télé. Genèse. Genèse 21, 6 à 7. Tu n'as pas de Bible, regarde seulement la télé. Genèse 21, 6 à 7. Le verset 6, Sarah déclara, Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront, tu es là, alléluia, tous ceux qui entendront parler d'Isaac feront quoi? Oh, vous n'êtes pas là, vous lisez autre chose. On ne lit pas la même chose. Non. Genèse 21, vous êtes là? Verset 6 à 7. Chez vous, ça dit quoi? Alors, c'est la même chose, non? C'est la même chose, seulement on a des versions différentes, mais c'est la même chose. Alors, allons-y. Sarah déclara, Dieu m'a fait rire de joie. Là où il y a la parole de Dieu, j'ai dit, il y a toujours les actions. Et c'est quoi l'action ici? Rire de joie. C'est quoi l'action rire de joie? C'est la présence d'Isaac. Et la présence d'Isaac a commencé comment? Par une parole que Dieu a donnée à Abraham et à Sarah. Dans ta vie, Dieu a déjà donné plusieurs paroles. Ces paroles de Dieu qui sont dans ta vie vont créer des actions et ces actions vont t'emballer dans le rire de joie, rire de joie. Tu riras de joie. Ta joie n'est pas liée à l'argent. Ta joie est liée aux actions des dieux imposées dans ta vie. Quelqu'un dit avec moi, Dieu m'a fait rire de joie. Peux-tu le dire encore? Dieu m'a fait rire de joie. Peux-tu le dire encore? Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac. Nous avions dit au début que Isaac veut dire,
il rit. C'est ça, Isaac. En hébreu, c'est Itzak. Et en français, il rit. Et Sarah nous explique ce que j'ai dit. J'ai dit que la parole de Dieu est toujours accompagnée des actions de Dieu. Or, la parole que Sarah avait reçue, dès que Sarah a reçu cette parole, qu'a-t-elle fait? Elle a ri. Et quand Sarah a donné naissance à Isaac, qu'est-ce que Sarah dit? Tous ceux qui verront, ils rient, ils feront quoi? Ils riront. Tous ceux qui verront Isaac riront. Tous ceux qui verront, ils rient. Parce qu'Isaac veut dire il rit. Feront quoi? Ils riront. Que Dieu te donne des actions qui feront que tous ceux qui verront ces actions-là vont rire, ils vont se réjouir, ils vont célébrer la gloire de Dieu. Ils vont dire Dieu est vrai, ils vont raconter ton histoire dans le passé. Ils vont dire qui pouvait imaginer que Sarah allait allaiter un enfant? Qui pouvait imaginer qu'une vieille femme comme elle pouvait porter un enfant? Oh ça c'est Dieu. Et les gens vont rire de joie. Ta vie n'est pas en retard. 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 Dieu n'a pas mis un point. Ta vie n'est pas en retard. Ta vie n'est pas en retard. Ta vie n'est pas en retard. La parole que Dieu t'a donnée, elle va devenir tangible. La parole que Dieu t'a donnée, elle deviendra palpable. La parole que Dieu t'a donnée, tu vas la vivre. Et il n'y a pas que toi qui verras la parole. Quand Dieu avait parlé à Abraham, Sarah n'était pas là. Et quand Dieu a parlé à Abraham et Sarah, les autres n'étaient pas là. Mais quand Isaac est venu, il y a plusieurs témoins. Il y a plusieurs témoins. Il y a des choses que Dieu t'a données que tu gardes dans le cœur. Mais les jours qui viennent, tu ne sauras plus les garder dans le cœur. Car tout le monde verra ce que Dieu avait déjà dit. Il y a des choses aujourd'hui que tu ne peux pas dire à haute voix parce que tu as même honte de le proclamer, de le déclarer, de le confesser. Mais comme Balobaranakinalinga, la grossesse va toujours se voir. Tant que mon nana et les gens verront, les actions des dieux vont quitter leur dimension invisible pour la dimension visible. Et dans la dimension visible, ce n'est pas toi qui présenteras les actions des dieux. Les actions des dieux ont leur propre bouche. Les actions des dieux ont leurs propres pieds. Les actions des dieux ont leurs propres mains. Quand Dieu se met à agir, les gens vont rester ébahis. Hey! Dieu a opéré. Hey! Something has happened. Oh! Dieu a fait. Et Sarah dit, tous ceux qui verront Isaac riront. Riront. Il y a les joies de célébration qui t'attendent. Il y a des joies de célébration qui t'attendent. Il y a des joies de célébration qui t'attendent. Il y a des joies de célébration qui t'attendent. Tu peux te lever. Oraba senderebos. Saraba shindaraba. Endaraba korobosanda. Naraba senderebos. Miminataka. Kuona mukono, kuona mukono, kuona mukono, kuona. Mimi nataka kuona mukono, baba kuona mukono, baba wangu. Mimi leo kuona. Mimi nataka kuona mukono. Baba wangu kuona mukono. Mimi nataka kuona mukono. Mimi nataka kuona mukono. Ngai nalingie komona lobo. Kana lingie. Gaina lingie. Gana lingie. Gaina lingie. Zambe nangae. Zambe nangae.
Ngana lingi e Mona lupo Ngana lingi e Mona lupo Ngana lingi e Ngana lingi e Nema ya bwana o 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 Nema ya bwana Nema ya bwana o Nema ya bwana o Nema ya bwana Nema ya bwana Hosanna ni mambo, alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, alléluia, Hosanna, Hosanna, eh. Hosanna ni mambo, alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, alléluia, Hosanna, Hosanna, eh. Hosanna ni mambo, alléluia, Hosanna. 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 Hosanna ni mambo, alléluia. Nele. Hosanna ni mambo. Yes, alléluia, Hosanna. Na fanda ki nangaye, manja bi melingaye. Alo bi nanga, zamba zali na yo. Awe. Hosanna ni mambo. Nele. Alléluia, Hosanna. Nele. Hosanna ni mambo. Mm. Na vanda ki nangaye, mwanja bi melingaye. Alo bi nanga, zamba sali na yo. Awe. Yeswe. Alleluia, Hosanna. Lelelele. Hosanna ni mambo. Alleluia, Hosanna. Bulelela, bulelela. 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 Bulelela, bulelela, eh. Bulelela, bulelela. Na nyoso na moni nzamba kosala, eh. Bulelela, bulelela. Na nyoso alobi na komona, eh. Bulelela, zamba mosa, eh. Ata Goliath a telemi na koleka e Bulelela Zambe na ngaye Zambe na mana belelio Bulelela e Bulelela Zambe na nga na talelio Zambe na mana belelio Na zoloba ozoyo kangaye Bulelela Bulelela Na belelio, na belelio, eh. Bulelela. Zamba bika mwa, eh. Zambena mana belelio. Utana mbota mana mona seyo, eh. Bulelela. Zamba misala, eh. Zambena mana belelio. Pandanjila, wewe pandanjile. Bulelela. Zambena nga na belelio. Mungu wa baraka, Mungu wa majesie. Bulelela. Zamna menangaye. Zamena mana belelio. Bulelela, bulelela.
Sambe nanga na bele liyo. Uta obanda koloba kino lelo salaka e. Sambe na bele liyo. Bulalela bulelele. En vérité, en vérité, en vérité, Zamba makam ici, na belle lio, na belle lio, Zamba bika moi. Bulelela, bulelela, ah, bulelela, Zambe nanga, Zambe nanga, na. Ils ont reçu ta parole et ils ont vu la manifestation de cette parole. Ils ont reçu ta parole et leurs mots avaient déjà changé. Ils ont reçu ta parole. L'inquiétude d'Abraham est partie. Ils ont reçu ta parole. Sarah a reçu la précision. Ils ont reçu ta parole. Et ils ont vu cette parole se manifester. Ils ont vu cette parole devenir chair. Tu n'as pas parlé en cachette. Tu n'as pas eu honte de dire ce que tu nous dis. Et ce matin, nous croyons que c'est déjà là. Abraham a ri avant qu'Isaac ne naisse. Sarah a ri avant qu'Isaac ne naisse. Et Sarah a même déclaré en disant, tous ceux qui verront Isaac riront. Naraba korobosa, sharaba karabasana, naraba baba baba baba, naraba baba baba baba. Narebo sakaraba shandaraba rababa shakaraba endaraba kurubu saya endaraba baba 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 endaraba baba 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 homo sekaraba baba baba endaraba kurubu saka ekamane keraba kaya ekanda karaba kuraba kaya robo sakamane. Même si de mes yeux humains je ne vois rien, je sais que ça arrive déjà. Même si de mes mains je n'ai rien touché, je sais que c'est en route. Je sais que tu n'as pas menti. Je sais que tu es fidèle. Je sais que ce que tu promets finit toujours par se réaliser. Ce que tu promets finit toujours par se réaliser. Chantez comme ça vous vient. Chantez, chantez. Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Yes. Makamboa, Mabé, comment le passé? On peut reprendre nos places. Je pouvais entendre dans mon esprit ce mot assurément. Assurément. Je le ferai. Assurément. Assurément. Je le ferai.
Quand on dit boulé-lé-la, ça veut dire en vérité, assurément, assurément. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Tant que Dieu te dit, oui, je vais faire ça. Ne quitte pas la présence de Dieu sans voir ce qu'il fait. Ne tombe pas dans ça. Vois Dieu au-delà de tes limites. Chantez ce cantique. Merci Seigneur. Merci de oindre nos offrandes. Merci de nous connecter aux nouvelles dimensions financières. Merci d'engager ceux qui sont au chômage. Merci de payer les frais académiques, les frais scolaires des élèves, des étudiants. Merci de pourvoir aux besoins de tous ceux qui veulent se lancer dans les affaires. Merci de donner des idées en or à tous ceux qui ont le capital mais qui ne savent quoi faire. Merci de redonner le courage à tous ceux qui ont reculé pour x, y chose. Merci de nous remplir encore de toi, afin que tous ceux qui étaient tombés se relèvent, afin que ceux qui avaient abandonné retournent, pour que cette action d'Itsak ait lieu. Bénis nos offrandes, bénis nos dîmes, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Et nous passons aux offrandes. Nous avons, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Nous avons trois services. Le premier c'est l'offrande d'adoration. Le deuxième c'est l'offrande du prophète
Et le troisième, c'est la dîme ou le un dixième de nos revenus. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Yes. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Yes. Offrande du prophète, venons sceller le message. Je suis en train de le déclarer. Makambo mabe comme il le passé. Yes. Bakamwa molimo bomo kisiba pesama esa bomo na Yesu nafana kinangai eheba kinyesu te. Vous avez votre dîme approchée pour la payer. Bomo akambo ya mabesa ekoma levase bomo likombo. Comme il m'a sali, bon ma cambo ya ma bé, et comme elle est passée, bon mon licombo. Merci parce que tu l'as fait, tu continues à le faire et tu le feras. Ta parole est toujours accompagnée de tes actions. Là où il y a tes actions, il y a ta parole. Ta parole est la base de tes actions. Et nous croyons et confessons, puisque tu nous as donné ta parole ce matin, nous célébrons les actions qu'on n'a pas encore vues et qu'on verra. Au nom puissant de Jésus, bénis nos entrées financières. Impose des percées. Impose des fenêtres d'en haut pour que chacun de nous dise, étonnant Dieu m'a visité. Éloigne de nos maisons les maladies. Éloigne de nos maisons tous les rongeurs. Éloigne de nos maisons tous les dévastateurs. Éloigne de nos maisons tous les destructeurs. Merci pour la sécurité financière qui est ton nom Jésus. Merci Jésus. Nous avons ainsi prié et reçu et nous disons amen. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Wow. Alpha 40 est venu avec plusieurs dimensions. Alléluia. Est venu avec plusieurs dimensions. Nous sommes bénis de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous sommes bénis par les orateurs de l'extérieur et nous sommes bénis par les orateurs de l'intérieur. Et chaque jour, il y a toujours une dose. Quelqu'un dit avec moi, une dose. Une dose. Peux-tu dire encore une dose? On a vu les pasteurs de l'extérieur nous prêcher et puis à l'intérieur, on a été bénis par le pasteur Patrick Nanda. Là, on peut acclamer le Seigneur. Merveilleusement bien. Gloire à Dieu. On a été béni par le pasteur Dominique Nkéré. Alléluia. Waouh. Et hier, on a été béni par l'homme des dieux, Josué et Sio. Oh. Acclame bien. Ah.
na habité pourquoi okozanga ta mokolomoko. Je sais pas pourquoi. Na habité pourquoi ça voisin. Je sais pas pourquoi tu peux manquer même un jour. Hier, il y a une onction qui est tombée en ce lieu qu'on n'a pas voulu couper mais qu'on a coupé parce que tozaka batu. Mais tozonga ina na banda. Et c'est la dimension chaos debout. Claveriste, ou la dimension de l'habitation de Zaki, nini. Donc, partout, ça ira bien. Hein, Yozara, non, ce pasteur Azate, Naoyate, Ata, ce pasteur Azate. Dans cette église, il y a, nous allons de gloire en gloire. Et cette semaine, Yves sa voisin, cette semaine. Je vais te parler de deux dames merveilleuses. Deux dames. Il y aura plusieurs orateurs, mais je vais seulement te parler de deux dames. Deux dames. La première, c'est Pasteur Rachel Chiswaka. Oh, bétela, esma boko. Oh là là! C'est une prédicatrice merveilleuse. Ah oui, hein? Ah oui. Mais si tu as dit que tu as dit papa, maman, terre ou les caillots, la comparaison ne fait pas ça. Tu as dit que 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 total à soi aussi là. C'est beau. Non mais c'est beau. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette dame qui est pour moi un don. Ouais. Qui est pour moi un don et vraiment. Moi, c'est à ma bonne île. Donc, habite à Obimelawa et puis bon. À Samela. Et le oisé là en a prière. Il y a envoyé la bisoute. Alléluia. Et cette nuit, elle a eu des expériences terribles avec ses oreilles. Donc, na ozelara jour na otea, kozanga te na ebiso jour te. Je vais pas te dire quand na koye bisayo te. Et il y a une autre dame. Oh là là. Celle-là, elle a été guérie du cancer sans médicament par instruction divine. Aza Mundele. Vous exagérez ce qu'il y a. Donc, ma kamboba guérison, il y a ma kamboba noirté. Na mindele. Guéri à Zonga hôpital autant de fois. Et Dieu agit dans sa vie par des signes, des miracles, des prodiges. Elle sera avec nous ici. Elle répond au nom du pasteur Audrey Mac. Acclamez le Seigneur. Nakoye bisayo jourté. Les autres cartons na bombi. C'est juste pour te dire, viens seulement. Et cette semaine, en tout cas, j'ai besoin des frères et sœurs qui vont défier la foi. Amener des malades. Amener des malades. Oh oh. Oh. Amener des malades. On est allé prêcher à Massina. Il y avait, ça c'est le pasteur qui dit, le pasteur Justin. Nous on avait déjà fini. Et puis un frère a témoigné en disant, pendant que le pasteur prêchait, pendant qu'il priait, lui il est venu à l'église, pendant la prière, il a ressenti la force. Les douleurs qu'il avait sont parties. Il a été guéri instantanément. On ne peut pas prier et s'attendre à rester malade. On a témoigné à Audrey Mac. Il va nous parler sur comment s'attendre à Dieu face à la guérison. Amen. Et même aujourd'hui, si tu étais malade, qu'est-ce qu'on vérifie au Sobiki? Tu es déjà guéri. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour Alpha 40. Et tu ne fais pas bien si tu n'invites personne. Tu ne fais pas bien. Si tu viens seul, tu ne fais pas bien. Tu ne fais pas du tout bien. Tu ne viens
seul. Tu ne viens pas, tu viens seul. Et si tu ne viens jamais samedi, tu ne fais pas seul. Tu ne fais pas bien. Okima est samedi, mais samedi, nous avons épaté, à étonner, à surprendre au-delà. Okima ka samedi, te yaka samedi. Et ne viens pas seul, viens avec quelqu'un. Tous les hommes équilibrés sont priés de rester après le culte à l'endroit habituel. Tous les hommes équilibrés sont priés de rester après le culte à l'endroit habituel. Tous ceux qui aimeraient contribuer, assister l'action avec tout ce que vous avez, vous sentez que vous devez assister l'action qui est en train de se dérouler. Ce n'est pas facile. Regardez l'affiche. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui nous viennent de partout et qui vont nous prêcher en ces lieux. Et nous aimerions vraiment les bénir. Le pasteur Mark McCourt, qui est un Américain, qui nous a prêché ici, je crois, le deuxième jour. En tout cas, il m'a demandé de vous saluer. Et il a été marqué par notre accueil. On peut acclamer le Seigneur. Il a été marqué par notre accueil. Oui. Et cette église est restée son église. Tant qu'il sera à Kinshasa, et pourquoi pas, on peut aussi lui faire venir de là où il est pour nous bénir. Alors, vraiment marquons, fais un effort. C'est un temps que tu dois vraiment marquer, fais un effort. Nos programmes, dimanche, 7h30 à 9h30, 10h à 12h, et la semaine, 17h à 19h30. Tenons-nous debout pour clôturer ce moment. Gloire à Dieu. Shama, Shama. Yes. Rabaso, Narabasot. Shandarabakorobosot. Rebobo Sakarabashin, Tarabasin. Rebo Sakarabash, Andarabasin. Narebo Kayabasaya. Endarabakorobos. Shandarababarabashin. Enderebozinda Narabakorobos Shandarabakorobos Shekarabababasanda Erebozandarabashin Homanakarabashindarababa Endarabakorobos Sanda Shama, Shama, Elohim Adonai. Shama, Shama, Elohim Adonai. Shama. Shama, 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 Adonai, Shama, Shama. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous le donne au nom de Jésus. Soyez bénis au-delà de tout entendement. Bénis partout vos plantes de pied fouleront. Bénis partout Dieu vous attend. Allez de gloire en gloire.
Si hier c'était un secret pour Sarah, demain ce n'était plus un secret, car on ne peut cacher ce que Dieu fait. Ainsi je déclare et je prophétise sur vos vies la matérialisation des visions, la matérialisation des promesses, que les rêves que Dieu vous a donnés se réalisent, qu'ils deviennent tangibles et palpables, que la joie que la présence de Dieu avait communiquée à Abraham, la joie que la présence de Dieu avait communiquée à Sarah soit votre joie, et que cette joie soit abondante et parfaite. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu, et nous disons Amen.